Hi, I'm Richard John. I teach history and communications, PhD program at Columbia Journalism School. It is my honor and privilege to introduce Professor Heather Lowry. He is a research fellow at CNRS, Paris, affiliated with the Sorbonne. He is the author of a fine monograph, which I have read in the pocket, Europe, and he's already so, Europe, Networking Europe. He is currently researching not the topic that we'll be speaking on tonight, but the history of parcel post, global commerce, and small boxes from the 19th century to the present, or to the recent past. He has an article on that topic forthcoming in the Journal of Global History. I guess your research is probably a journal that could be described as the political economy of innovation in the field of communication, a topic of great interest to myself and my colleagues in the Columbia Journalism School. And another of those research interests is a particular personal interest of mine, is that he's writing the history of a particular vintage wine, a particular kind of wine, Malbec, which originated in France and today flourishes in Argentina. He's asked me to state in advance that if you have questions during the talk, he's happy to answer questions. You can ask the questions in English or French. He's perfectly fluent in English, but he prefers, perfectly understandable, to speak in French. And so you can interrupt questions or have an opportunity for a question Q&A after we're done. So without further ado, we should never forget that the internet is based on the telephone, earlier telephone infrastructure. Mon sujet ce soir, c'est en effet la naissance du réseau téléphonique global. Et l'argument que je vais présenter, c'est que cette naissance du réseau téléphonique global, elle est née, elle est venue des interactions entre les réseaux américains et européens. Les interactions entre le réseau américain et le réseau européen de téléphone sont apparues avant même que ces réseaux ne soient physiquement reliés. Ici, à l'écran, vous avez une photographie d'une première. C'est la liaison téléphonique par radio entre les États-Unis, New York et Paris en 1928. En 1927 avait eu lieu une autre première, la liaison téléphonique entre Paris et Londres. C'était l'ouverture d'un service commercial. Mais ceci, ce n'est qu'une partie, la partie immergée de l'iceberg, si je puis dire. Les relations, les interactions entre les deux réseaux de part et d'autre de l'Atlantique datent d'avant. Ces interactions, c'est donc ce que je vais essayer de vous montrer, ont façonné des interfaces techniques, industrielles, politiques, qui sont plus tard devenues le cadre dans lequel le réseau téléphonique s'est globalisé. Alors, avant de vous présenter le réseau américain et le réseau européen, qui ont donc interagi et façonné par ces interactions des interfaces, je vous rappelle simplement de quoi l'on parle quand on parle du téléphone. Le téléphone, c'est une invention que l'on attribue généralement à Graham Bell. Ici, nous avons le brevet qu'il a déposé en 1876 et qui est à l'origine du succès de l'entreprise Bell pour développer le téléphone aux États-Unis. Le téléphone, ce sont des terminaux, mais ce sont aussi des lignes, des câbles qui relient ces terminaux. Ici, nous avons New York en 1903. Et ce sont enfin
c'est enfin le téléphone, des centraux téléphoniques où les lignes aboutissent et sont connectées les unes aux autres. Bien. Alors, le réseau américain, durant la période qui m'intéresse, c'est-à-dire le premier quart du XXe siècle, il est dominé par un acteur. Cet acteur, c'est une compagnie privée, une compagnie privée en situation de quasi-monopole sur le marché américain, et on l'appelle le Bell System. Le Bell System, c'est la réunion de compagnies opératrices locales, d'un système de communication téléphonique à longue distance, les long lines, et un fabricant de matériel, Western Electric. C'est donc le Bell System, une intégration horizontale des différents opérateurs téléphoniques et une intégration verticale de l'exploitation à la fabrication du matériel. Alors, c'est une idée commune, courante, que de dire que le Bell System a façonné au XXe siècle la nation américaine. Ici, nous avons une publicité très connue du Bell System 1915 qui présente la grande première qui est la liaison téléphonique entre New York et San Francisco en 1915. Et vous voyez qu'il est écrit en dessous que grâce à cette liaison téléphonique produite par les ingénieurs de Bell, avant on ne pouvait pas téléphoner d'une côte à l'autre, grâce à cette liaison téléphonique et à d'autres, la nation américaine devenait community, un neighborhood, était plus étroitement lié, intégré. C'est le travail de Richard, depuis quelques années, d'inverser la proposition et de dire que certes, le Bell System façonne les États-Unis d'Amérique, mais les institutions fédérales, municipales et le civic ideals ont aussi façonné le réseau du Bell System. The influence of the telegraph and the telephone on American society is well known. Often overlooked, however, is the influence of American society on the telegraph and the telephone. Écrit Richard dans son ouvrage de 2010, Network Nation. Voici pour la partie américaine, le réseau américain. Tournons-nous maintenant vers l'Europe. L'Europe se présente très différemment. La situation en Europe est extrêmement dissemblable. Et c'est d'ailleurs le plaisir du Bell System dans ces fameuses, toujours cette campagne d'opinion de début des années 1910, de comparer les deux agencements. D'un côté, on a une nation. En Europe, on a une collection de nations, 25 ou plus. D'un côté, on a une grande entreprise privée qui relie cette nation, qui intègre cette nation. De l'autre, on a autant d'opérateurs publics, non pas des compagnies privées, mais des compagnies publiques, des administrations d'État, qui opèrent chacune dans leur précaré, chacune dans leur nation, en situation de monopole. Donc la situation est très différente, et Bell en tire la conclusion qu'il y a 10 fois plus, et c'est vrai, 10 fois plus de téléphones installés par rapport à la population aux États-Unis qu'en Europe. À cette époque, au début du XXe siècle, pour Bell, c'est le fruit du système privé de son efficacité. Ceci dit, donc, on peut contraster l'idée selon laquelle l'Europe produit un réseau assez pauvre, qui ne fonctionne pas aussi bien que le réseau américain, et se poser la question, est-ce que le réseau ne fabrique pas une meilleure Europe ? L'Europe fait le réseau fait l'Europe. En tout cas, c'était l'espoir de nombreux ingénieurs
dans les années 1920. Je vous donne deux exemples. Le premier exemple est tiré d'une publication, l'Europe Nouvelle, une publication animée par des européistes, c'est-à-dire des personnes convaincues au lendemain de la Première Guerre mondiale qu'il faut unir l'Europe, et en particulier Louis Bates, qui travaille dans cette publication. Dans l'Europe Nouvelle en 1926, on trouve un article sur le réseau téléphonique européen qui est l'ébauche d'un système nerveux pour les États-Unis d'Europe. Rough sketch of the nervous system of the United States of Europe, pensent les rédacteurs de cet article. Et il faut dire que les ingénieurs du téléphone en Europe s'emploient à faire penser que le réseau peut reconstruire l'Europe. Le réseau téléphonique pourrait reconstruire l'Europe, et nous avons ici un concert tout à fait original, un concert organisé pour les 10 ans de la Société des Nations, un concert distribué, c'est le terme technique exact, qui est organisé de la manière suivante. Les instrumentistes sont répartis aux quatre coins de l'Europe. Chacun est relié par fil téléphonique avec un chef d'orchestre qui est à Zurich, en Suisse. Les sons sont assemblés via le téléphone à Zurich, où le chef d'orchestre lui donne la mesure que reçoit les instrumentistes par une oreillette. Ces sons sont assemblés et sont rediffusés par un système de haut-parleurs partout dans Genève, pardon, pour les délégués qui sont là à l'occasion de la cérémonie des 10 ans de la Société des Nations. Et non seulement ça, ce concert est radiodiffusé, live, en direct, partout en Europe, à Paris, à Berlin, à Vienne, à Genève. Les auditeurs qui se branchent sur leur station peuvent écouter ce concert. Qu'est-ce que cela dit? Que veut dire ce concert? Ce concert veut dire que le réseau téléphonique peut matérialiser la métaphore diplomatique du 19e siècle du concert européen. Le réseau téléphonique peut fabriquer une nouvelle Europe plus harmonieuse et intégrée. Le journal L'Europe Nouvelle dit que ce fut pour tous les auditeurs une stupéfaction d'entendre ce concert, cet événement médiatique européen. Elle dit que cette revue, c'est un plein succès qui démontre que oui, on peut faire l'Europe et que la technologie peut y aider. Trois jours plus tard, Aristide Briand, chef du gouvernement français, proposer aux Européens de construire entre eux une, je cite, « sorte de lien fédéral ». C'était la première proposition politique de construction de l'Europe unie. Voilà pour l'Europe. Je reviendrai sur cette question de la construction réciproque du réseau et du continent. Alors pourquoi réfléchir ainsi à l'interaction entre réseau américain, réseau européen, construction d'un continent plus intégré par la téléphonie? Je vois trois intérêts, un triple intérêt. D'abord, cela nous permet de contextualiser la globalisation du téléphone. Le téléphone, nous en parlions avec Daniel Henry ou avec Richard John tout à l'heure, le téléphone finalement, on connaît mal la manière dont il s'est globalisé au XXe siècle. Comment, à la différence du télégraphe, dont on sait très bien, on connaît maintenant l'histoire globale du télégraphe. L'histoire globale du téléphone, on la connaît moins bien. Ses origines, ses répercussions. Par ailleurs, cela nous permet de voir comment les réseaux nationaux sont en fait le résultat de circulation transnationale. Et enfin, cela nous permet de nuancer l'histoire souvent présentée en noir et blanc de l'Europe, une histoire noire de guerre
et une histoire en blanc de paix depuis 1945 et la construction de l'Europe. Avec l'étude d'un réseau transnational, comme celui du téléphone européen, on peut proposer un autre récit de l'Europe au XXe siècle. Comment s'y prendre ? Eh bien, je suivrai ici, encore une fois, Richard John, lorsqu'il propose de voir du réseau américain, en explorant les interactions entre Amérique et Europe sur trois niveaux. Le niveau technologique, le niveau commercial et le niveau politique. Un réseau, c'est de la technologie, mais aussi de l'industrie, du business et des enjeux de pouvoir. On peut lire un réseau de téléphone et de communication ainsi. Alors, si l'on suit les intrications entre le réseau américain et le réseau européen à travers ces trois dimensions, la dimension technologique, la dimension commerciale et la dimension politique, on arrive à un portrait intéressant et à une réflexion sur la construction d'interfaces globales qui ont, disais-je, porté la globalisation du téléphone. Alors commençons par la technologie. La technologie, c'est un élément fondamental du réseau téléphonique. C'est elle qui permet les communications à très longue distance, et en particulier une technique est cruciale, c'est l'électronique et la triode mise au point par le Bell System. Mais la mise au point de ce système n'était pas naturelle, elle n'est pas venue naturellement. Il a fallu énormément d'investissements, et ces investissements étaient tirés par la décision stratégique de Bell, qui répondait à un contexte politique bien particulier. Donc c'est ce que Richard John appelle « the technological progressiveness », qui est le résultat d'une économie politique bien particulière. Cette technologie qui a permis les communications téléphoniques à longue distance, elle est passée en Europe durant la guerre. Pendant la guerre, dès 1917, des ingénieurs américains du Bell System viennent au sein du Signal Corps construire des lignes téléphoniques sur le continent européen pour relier les ports et le front. Ceci pour des raisons logistiques et pour des raisons de commandement stratégique. Le Signal Corps est venu aussi avec ses opératrices qui, dans les centraux construits en Europe, ont connecté les lignes. C'était des opératrices bilingues que l'on a recrutées en Amérique et qui étaient donc à la fois anglophones et francophones. Les impératifs de la guerre ont aussi amené la France à envoyer une mission aux États-Unis pour essayer de mieux effectuer le transfert de technologie, étudier le réseau américain et notamment étudier les répéteurs garnis de triodes d'électronique pour les implanter sur le réseau européen et français en particulier. Parmi ces ingénieurs qui partent aux États-Unis dès le printemps 1917, eh bien, il y a Georges Vavasin. Alors, parenthèse ici, les Américains qui débarquent en Europe en 1917, il faut les armer. Ils n'ont pas de canon, très peu de matériel, pas de chars. Tout ça, c'est fourni par l'industrie française. En revanche, pour ce qui est du téléphone, c'est tout l'inverse. Il y a une supériorité nette qui fait que ce corps qui débarque en France construit son propre réseau. Ces impératifs de guerre ont réorienté, c'est ma thèse, ont réorienté une coopération technique qui avait débuté dès avant le conflit, en Europe. En Europe, on coopère dès les années 1900 pour essayer de construire un réseau qui traverse les frontières.
n'a pas attendu les Américains pour cela. Et notamment pour résoudre les problèmes de standardisation. Les réseaux sont différents et il faut standardiser. Mais ce qu'a fait la guerre, c'est qu'elle a transformé le sens de la coopération au lendemain du conflit. Cette coopération s'est institutionnalisée et il y a eu la création d'un organe international dont je reparlerai beaucoup, qui est le comité consultatif de la téléphonie à longue distance en Europe, basé à Paris, créé en 1923. Et je disais qu'elle a été réorientée, la coopération, dans le sens d'un souci de contenir les intérêts, les intérêts allemands. Toute la coopération d'après-guerre vise à construire un réseau téléphonique européen sans les technologies allemandes qui étaient extrêmement développées. Avant la guerre, les Américains et les Allemands sont presque au même niveau. Alors, le comité consultatif, cette organisation internationale intergouvernementale, se développe au cours des années 20. Il y a quelques membres fondateurs au départ, puis le nombre de pays augmente, jusqu'à inclure l'URSS en 1929. À sa tête, il y a un secrétaire général, Georges Balanzi, dont j'ai montré qu'il était parti aux États-Unis en 1917 pour chercher la technologie. De tout cela, il résulte, dans les années 1920, la construction d'interfaces entre le réseau américain et le réseau européen. Une interface technique. Et cette interface technique va perdurer tout au long du XXe siècle. C'est avec ces interfaces techniques-là que le réseau téléphonique va devenir mondial. Mais au départ, ces interfaces sont construites pour que le réseau européen et le réseau américain soient plus compatibles. Je prends deux exemples très symboliques. L'unité de mesure du son en acoustique. On a retenu le bel, le décibel, en hommage à Graham Bell et aux grandes dames des Allemands. Les Allemands, dans les années 20, voulaient que l'on ait une autre unité de mesure qui ne fasse pas référence spécifiquement à Graham Bell et au Bell System, et qui aurait plus avantagé leur industrie. Autre exemple d'interface symbolique extrêmement importante, pour construire un réseau transnational, il faut pouvoir étalonner. Je ne rentre pas dans les détails, mais il faut pouvoir mesurer les performances des appareils, des lignes ou des centraux téléphoniques. Il faut avoir un zéro commun, une référence commune. Eh bien, la référence commune que les Européens adoptent, c'est la référence commune qu'avaient construit les Américains. En 1928, ce qui s'appelait « The American Reference System for Telephone Transmission » est passé en Europe, donné par les Américains, donné par le Bell System, et a été rebaptisé du jour au lendemain « European Master Reference System ». Il était hébergé au CNAM, à Paris, à côté du maître étalon. Le maître étalon qui avait été conçu au moment de la Révolution française. Et là, nous avons un ingénieur américain qui est venu pour installer cet élément extrêmement important dans la construction du réseau pan-européen. Et là encore, les industriels et les acteurs allemands étaient contre cette décision. Tournons-nous vers le business maintenant, les relations commerciales qui ont façonné ces deux, à travers lesquelles les interactions sont passées. Du côté américain d'abord, et je regarderai ce qui se passe côté européen, et comment la rencontre, encore une fois, de ces deux systèmes crée des interfaces bien particulières. Alors, la théorie des réseaux pose que plus un réseau s'étend, plus sa valeur économique pour l'utilisateur est grande. Et donc, on considère parfois qu'il était naturel
que le réseau de téléphone américain s'étende à l'échelle de la nation et s'étend toujours plus. Parce que ainsi, les utilisateurs pouvaient se connecter avec un plus grand nombre de personnes et donc le réseau prenait une plus grande valeur. Encore une fois, ce que démontre Richard John dans son ouvrage, c'est que les lignes à grande distance aux États-Unis rapportaient très peu. Au contraire, elles coûtaient au Bell System, semble-t-il, et c'était les communications locales qui finançaient, qui permettaient de financer ces communications à grande distance. Il y avait néanmoins un intérêt stratégique pour le Bell System à concevoir ces lignes à grande distance. C'était de mieux tenir ensemble les compagnies opératrices, et puis c'était de montrer à l'opinion et aux institutions fédérales que le Bell System était capable de porter les intérêts de la nation. Il y avait un acteur, néanmoins, au sein du Bell System qui était très intéressé à la construction d'un réseau à longue distance, c'est Western Electric, l'industriel, qui vendait ses équipements, qui vendait les câbles, qui vendait les centraux, et dont le président, ici représenté entre 1919 et 1926, Charles Dubois, était très conscient. Nous verrons que Western Electric est un acteur essentiel dans la construction d'un réseau pan-européen. En Europe, au même moment, que se passe-t-il et quels sont les intérêts commerciaux et économiques qui se manifestent dans la construction du réseau pan-européen? À la différence des États-Unis, en Europe, il y avait un réel intérêt économique pour les opérateurs nationaux à étendre le réseau par-dessus les frontières. Ils se livrent même une course pour construire ce réseau le plus vite possible et capter un trafic de transit très rémunérateur. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne. En 1926, le Post Office Department tire 37% de son bénéfice annuel dans ses activités téléphoniques, des relations internationales. Donc les relations internationales sont importantes pour financer le réseau national. Ici, le graphique montre le nombre de pays qui ont été connectés à la Grande-Bretagne avec une accélération à partir de 1923 et la fondation du Comité consultatif international. Voici les hommes qui animent le comité consultatif. En 1929, ils se rassemblent à Berlin. Et ce sont eux qui président à la coopération internationale dans le domaine de la téléphonie. Ils ont cet intérêt économique que je viens d'expliquer, mais ils ont aussi un intérêt stratégique. J'ai montré que Bell System avait un intérêt économique limité, mais un intérêt stratégique. Là, il y a un intérêt commercial et réel, mais un intérêt stratégique aussi très fort. Et cet intérêt stratégique, il est par rapport à Western Electric. Là, en termes d'interface, nous en venons à l'interface commerciale qui se construit dans ces années par l'interaction des deux réseaux. Et cette interface dans le domaine des activités économiques, c'est International Western Electric. International Western Electric, c'est une branche du Bell System fondée en 1917 et qui rassemble toutes les filiales à l'étranger. Le Bell System, AT&T, c'est l'entreprise l'entreprise américaine la plus multinationalisée au début du XXe siècle. Elle a des filiales partout, et notamment en Europe. Et ces filiales sont rassemblées dans un ensemble appelé International Western Electric. Et International Western Electric avait des ambitions extrêmement importantes en Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'ingénieur en chef
de cette branche du Bell System était britannique, s'appelait Frank Gill, et il a proposé officiellement en 1922 dans un discours que une entreprise soit constituée en Europe pour exploiter un réseau transeuropéen par-dessus les réseaux nationaux. Les réseaux nationaux seraient maintenus et une entreprise transnationale serait construite. Et vous imaginez bien que cette entreprise transnationale, elle serait fondée autour d'International Western Electric. Alors, pour soutenir son argument, sa proposition, Frank Gill dessine une carte intéressante, la carte de ce que serait l'Europe si elle était l'Amérique. Que serait l'Europe si elle était l'Amérique? Eh bien, elle serait un continent où l'on pourrait téléphoner de Londres à Bagdad, ce qui était absolument impossible en Europe à cette époque-là. De même qu'on téléphone entre New York et San Francisco, ce sont les mêmes échelles spatiales. On pourrait téléphoner de Londres à Athènes, comme on téléphone, que sais-je, de New York à Chicago. C'est une carte intéressante quand on suit ces interactions entre les deux réseaux. Eh bien, le comité consultatif qui est fondé en 1923 est une réponse des monopoles européens à cette proposition. Le comité consultatif bloque ses ambitions d'International Western Electric en gardant la main sur le service international. Mais, pour autant, certes, cette ambition est bloquée, mais la coopération est très favorable à Western Electric. La coopération entre Européens est très favorable à Western Electric, qui sait qu'il sera le principal fournisseur de matériel pour les Européens quand ils voudront construire ce réseau. Il y a là une citation explicite du président de Western Electric, Charles Dubois, en 1923, qui clairement pose que Western Electric, International Western Electric en particulier, est le mieux placé pour fournir les Européens en moyen de communication. Tout cela, nous l'avons oublié. Toute cette histoire du Bell System en Europe, nous l'avons oublié pour une raison, qui est qu'en 1925, le Bell System s'est défait, a vendu toutes ses filiales à l'étranger. C'est un tournant. International Western Electric est vendu aux frères Bell, qui sont en train de constituer ITT, le futur géant de la télécommunication mondiale, qui, par ses implantations partout dans le monde, sera un véritable agent de la globalisation du téléphone. Donc, par toutes ces interactions entre réseaux européens et réseaux américains, fut fondé International Western Electric, qui est devenu, qui a changé de nom au cours de l'histoire, mais qui est bien à l'origine de la globalisation du téléphone. Dernier élément, les aspects politiques, les enjeux de pouvoir. Côté américain, que se passe-t-il? Tous les managers du Bell System ont tout fait pour naturaliser, dépolitiser la téléphonie. Ceci pour garder le contrôle sur le réseau, par rapport aux investisseurs et par rapport au pouvoir fédéral, dont ils ne voulaient pas qu'ils s'immiscent trop, ni l'un ni l'autre, dans la gestion du réseau. Et ce faisant, ils ont intégré des éléments qu'on peut appeler les civic ideals. Ils les ont fait leur, notamment l'idée d'un service public universel de la téléphonie. Ceci, on peut l'appeler la revendication d'un corporate managerialism, et c'est un élément important de tout le XXe siècle de télécommunications américaines.
Regardons ce qui se passe en Europe, au même moment. Oui, sachant que cette fameuse publicité va dans le sens du corporate managerialism, en montrant que, justement, en Europe, les États s'immiscent dans la gestion du téléphone. Le téléphone est une affaire publique et cela fonctionne mal. Donc là, ils veulent absolument que prévenir toute entrée de l'État dans le téléphone américain. Côté européen, ce n'est pas le corporate managerialism qui est revendiqué, mais c'est une autre forme de revendication qui a cours de la part des administrateurs du téléphone, qui demandent plus d'autonomie au plan national, et notamment une autonomie budgétaire, pour pouvoir faire des investissements sur plusieurs années, et qui demandent une grande liberté autonomie au plan international pour négocier les normes et les tarifs entre eux, sans que les États ne s'en occupent. Et notamment, ils font tout pour ne pas entrer dans le giron de la Société des Nations. Et cela, on peut l'appeler « technocratic internationalism ». C'est une formule que l'on voit à deux historiens néerlandais, collègues Johan Schott et Vincent Lagendijk, qui ont ainsi dénommé cette revendication des ingénieurs en Europe d'avoir les mains libres pour mieux accomplir leurs tâches, pour mieux garantir la paix que les hommes politiques avaient, eux, broyée pendant la Première Guerre mondiale. Et dans le même temps, ces ingénieurs, ces administrateurs prennent très volontiers le Bell System comme le modèle à suivre. Le modèle, justement, d'entreprise autonome, puissante, efficace, qu'il convient de suivre en Europe si l'on veut établir un réseau. Alors, l'interface qu'on l'on voit se dessiner à travers ces deux, l'interaction de ces deux systèmes est la suivante. C'est l'idée qu'il faut confier la gouvernance des réseaux aux experts. Pas de politique dans les réseaux. Pas de politique politicienne. Les experts, les hommes de l'art, sont ceux qui sauront le mieux articuler les intérêts nationaux qu'il convient de préserver et les intérêts transnationaux, que ce soit les intérêts des industriels, que ce soit les intérêts des utilisateurs du téléphone. Ils se pensent vraiment à l'articulation de ces deux enjeux, les experts. Et c'est le cas des Européens, mais c'est aussi le cas des Américains, du Bell System, qui finit par adhérer en 1929 au comité international fondé en Europe. Le Bell System est devenu membre à part entière du CCIF, du comité international, sur la base de ses valeurs partagées, la valeur de l'expertise qui doit gérer, gouverner les réseaux à part. Et cela, cette notion, elle est fondamentale durant tout le XXe siècle des télécommunications et jusqu'à nos jours. Sur la souveraineté, j'ai repris cet extrait de Georges Valenzi en 1929 qui dit « Les solutions proposées par Frank Gill de créer une entreprise transnationale étaient sans fondement, ne pouvaient pas aboutir. They were inconsistent with the legitimate prejudice of the European states to keep under their own supremacy the working of the telephone service within the limits of their respective frontiers. » Donc, les experts préservent la souveraineté nationale. Ils coopèrent, certes, mais ils préservent la souveraineté nationale. C'est fondamental. Alors que Frank Gill continue à la même époque, il critique par rapport à cette situation, et continue à la même époque, au même moment en 1929, de dire que l'Europe n'ira pas bien loin si elle ne se dote pas d'une unité de contrôle, d'une tête unique, sous la forme d'une entreprise ou sous la forme, pourquoi pas, d'une administration téléphonique européenne unique.
I cannot escape the conclusion that sooner or later there will have to be found some single unit for the administration of the European International Service. Ceci n'est jamais arrivé, jusqu'à nos jours. Il n'y a jamais eu une administration unique du téléphone. Il y a eu de la coopération entre administrations ou entre entreprises, mais jamais unité. Les experts, par ailleurs, prônent, légitiment leur pouvoir à travers des idéaux internationalistes. Ils argumentent sur le fait qu'ils construisent une communauté mondiale, ils permettent l'émergence d'une opinion publique européenne, ils permettent la construction d'un cerveau mondial, World Brain, à travers toutes ces connexions. Et ils font du réseau de communication un bien public mondial. C'est ainsi qu'ils le présentent. Et je pense que tous ces éléments résonnent pour vous avec ce que l'on entend du réseau Internet aujourd'hui. Voilà pour cette présentation qui, pour conclure, montre que les interactions entre réseaux européens et réseaux américains ont changé, façonné les réseaux nationaux, qui montrent que il y a eu la construction en Europe d'une certaine manière intégrée à travers des institutions, des normes et des valeurs partagées. Donc il y a une forme de construction européenne autour des techniques. Là, je parlais du téléphone, mais on observe ça aussi autour du chemin de fer, autour de l'électricité. Il y a eu une construction de quelque chose en commun en Europe. Et ça s'est joué aussi en interaction avec les États-Unis. Et enfin, toutes ces interfaces que je vous ai présentées, qu'elles soient techniques, industrielles, politiques, elles ont perduré au long du XXe siècle. Et elles ont été le berceau de la globalisation d'un réseau téléphonique sur lequel, pour boucler la boucle, est venu se poser notre réseau Internet. Merci pour votre attention.